Voyagez au rythme de la saison 3 de Nura avec votre compagnie Air Comore. Comore Télécom et Tartib présentent Nura, l'émission qui met en lumière les étoiles montantes de la musique comorienne. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là parmi nous ce soir. C'est un moment important aujourd'hui. C'est la demi-finale de Nura, l'émission qui met en valeur les étoiles montantes de la musique comorienne. Je compte sur vous pour encourager mes candidats qui ont été coachés là récemment par Jérusy, moi-même. Il est temps pour nous de passer aux chansons en langue étrangère. Qui va commencer ? Espace 1 au 522 ou 374-10-10. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Rachta. Elle aussi. Maintenant, on va se qualifier pour la demi-finale parce que on s'accorde bien ces matchs. Là, t'en parles pas. Si je vois, sauf que vous n'êtes qualifié à demi-finale. Je me suis bien préparée, mais pour les Allemands, c'était difficile, hyper difficile. Donc, si j'en sortais, ça me s'est préparé. Je me suis bien préparée. Alhamdulillah, je me suis fait un bon match. Je vais vous avancer. Ça, c'est comme et puis. On chante Saïdi Amour, on voit Saïdi Arwa, on chante Rézou. En plus de ça, on a un peu de m'approcher, on a bien fait un peu de m'approcher, ce n'est pas bien, on a un peu de m'approcher, donc ça m'a réellement plu. Et puis, il me permet d'avancer un petit peu, donc ça me fait tant plaisir. Ne ka mori insan jere stressi yangu wami perform not se half of yangu donc si venze ni wa remercier vu que jelit li wao tsatso enda tana paravan mana grâce ya wao de enda tana paravan donc marhaba mengi I want to come by one vote na wao what on vote o marhaba mengi sans oublier voter au maximum le N1. Tu t'attends, tu t'attends, tu t'attends, tu t'attends.
kanya meni cheza machale. Pour Rajda, envoyez N1 au 522 ou au plus 269 374 1010 depuis l'étranger. J'ai appris que j'ai été sélectionnée pour les demi-finales. Déjà, j'étais fière de moi, fière du travail que j'avais fait. Et j'avais encore plus la niaque pour aller plus loin. Concernant les préparations du coup pour la demi-finale, pour les choix de mes deux chansons, déjà, je me suis concertée, j'ai demandé un peu des conseils à des professionnels de la musique ici aux Comores. Et ensuite, j'ai travaillé sans relâche, je me suis isolée, parce qu'il faut savoir qu'on était 12, ensuite on est passé à 7, mais j'ai voulu travailler seule, donc je me suis isolée, j'ai appris, parce que c'est des chansons que je ne connaissais pas du tout. Et je pense, même je suis quasi sûre que je suis prête. Depuis que je participe à Niora, je sens, et oui, je sens que le coaching du coup, avec les équipes professionnelles avec qui on a travaillé, on fait effet sur moi, ça marche. Je sens cette petite évolution et cette gestion de stress aussi. Franchement, je pense que ça va, on a fait du bon boulot sur ça et on est prêt à tout casser. Alors, avant d'entamer les demi-finales, j'ai un peu ce trac, mais je pense que c'est chaque artiste qui ressent ce petit, cette petite sensation avant de monter sur scène. Mais j'ai envie de donner le meilleur de moi-même pour aller plus loin dans cette aventure, surtout qu'on va chez moi à Marseille. Donc, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Message pour le public, j'espère, et encore une fois, je suis quasi sûre que ça va vous plaire. N'oubliez pas, on a besoin de vous. Notre force, c'est vous. Sans le public, on n'en serait pas là. On a besoin de vos votes, donc prenez vos téléphones, 522 et tapez le 2. Honey, pendi, honey, pendi, honey, pendi.
Pour Maïssa, envoyez N2 au 522 ou au plus 269 374 10 10 depuis l'étranger. Une très 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 belle performance. Vraiment, très très belle performance. J'ai adoré la danse, le chant, ensemble. Que nous réserve la suite? Alors, tout de suite, on va appeler notre cher ami, notre cher candidat, le porte-parole, le Caliman numéro 3. Applaudissez s'il vous plaît pour Caliman. Wakati naona ukanati hundu armale baki ala handani tele demi-final ikafuraha kuhaku hangu juu au kanja kaujindia ukamjoka wasuli armo daraja manda ila shabu na janazi wana ukanati wasuli armo handani armo makandida kumena waili donc ikafuraha soni mwami si yeshi et je ne peux que remercier mais les personnes qui m'ont soutenu en arrivé là ti di prepare handani anzani onese wandu ikao wanivoti ya ukanavala kwa jalaza bure. Et que voilà quoi j'ai voté mon jini bai ça aucun a quand même un grand mérite aucun a ni participé voté ici inchallah concernant le choix de Majimbo c'était pas facile mana quand même le choix il est compliqué sachant que le choix beaucoup de joueurs affectés à mon concours mais quand même on a pu faire des choix qui sont pas mal du tout après les répétitions on m'a donné zikan zero honnêtement zikan zero car j'ai quand même dunga et cadence ça avec le temps avec les conseils des coachs. Je suis quand même à la fin de 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 la de la de ce que j'ai pu faire à mes premières étapes. Donc, il y a des stress en espérant que je ne vais pas décevoir mes supporters. Donc, je vais essayer de donner le maximum possible et faire en sorte que ceux qui m'ont soutenu et ceux qui ne m'ont pas soutenu vont être d'accord de ce que je vais faire, Inch'Allah. Concernant Andrew, on est soutenu. Je suis le marahaba, au hatu, ne midi yangu, no anzani wangu, ikao, wa mengazija, ne komori kamili, on est soutenu. On est bien le marahaba. On est soutenu, soutenu, c'est un gars bien le marahaba. Au Kana, si je remettais en question, Zabari ne m'a tout soutenu. Donc ça m'a donné envie de bosser encore plus. Au Kana, à moi, déjà, lui, nous soutenir encore plus, Inch'Allah. Enraru! Tiki senda senda fasi taki ganiam tikaru. Daro ni fanzui zui fonya tramzai ni fankan songku. Tenisni ambu nisni amban nisni afalanga nisni tuman tinam pio faraza. Teni fakati yatu ku. Tena mam hangala kano wano tiako Tiakurendan hangala kano wano tiako Uvadi wande fima tepake vitaza mino Timi sala sala fano tepake vitaza mino. Oh, no. Ke na inu raise, na inu raisi, zauti yala, zauti ule. Na tafundi poaka, na varacha ilataka, dia fanta choka, zafata fala, nara sani. Ouvade wande
Pour Mkalimane, envoyez N3 au 522 ou au plus 269 374 10 10 depuis l'étranger. C'était une chanson de Shine, l'un de mes chanteurs préférés à Madagascar. S'il nous regarde, il regarde cette émission en malgache, franchement. Et un petit coucou à toi. Donc, moi ça m'a plu personnellement. Il y avait quelques petits axes d'amélioration, je préfère dire ça comme ça. Et je pense que de toute façon, quand on écrit, on apprend toujours et toujours et toujours et encore et encore. À partir du moment où on se dit qu'on arrête d'apprendre, eh ben, on se tue. C'est fini. On est mort. Mais on est vivant quand même. Et c'est pire. C'est pire. Donc, sans trop tarder, je pense que vous l'attendez comme moi. Je l'attends. Elle a décidé d'interpréter une chanson étrangère dans une langue qui est très peu connue, on va dire. Mais la musicalité, elle parle. Et elle, avec son talent, son charisme et sa personnalité, très très forte personnalité, elle va vous interpréter cette chanson avec. Je pense que ça va vous envoûter, tout comme moi, dans les répétitions quand j'écoutais. Donc, un tonnerre d'applaudissements pour. J'ai été contente de savoir que j'étais admise parmi les gens qui sont passés en demi-finale. Et je me suis dit que je vais en donner encore plus pour aller un peu plus loin que ça. Je suis contente en tout cas. Techniquement, je me suis préparée comme les autres candidats. J'ai répété avec des efforts, je fais des efforts pour répéter chaque instant pour donner le meilleur de moi-même. Du coup, c'est la répétition, enfin faire des répétitions tout le temps et dormir encore beaucoup, beaucoup. Pour avoir une belle voix, voilà. Au début, quand j'étais là, le niveau de stress était très élevé. Et après avoir eu l'habitude avec tout le monde, les répétitions et tout ce qui va avec, je pense que maintenant, c'est un peu... J'arrive à gérer, petit à petit, et je suis bien mieux qu'avant. Donc ça va. Déjà au début, j'arrivais pas à gérer ma voix avec le stress, mais plus je me sens à l'aise, plus j'ai l'impression qu'elle s'ouvre encore plus. Et je pense que c'est un peu différent d'avant, différent en mieux. Donc, ouais. Si j'ai un message à mon public, c'est d'abord de le remercier parce que c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. C'est grâce à vos votes, votre courage et enfin, tout ce qui va avec que je suis là aujourd'hui. Et je vous prie encore de ne pas cesser de me voter, de me soutenir mentalement et dans les votes aussi parce que c'est plus important aussi. Donc, je compte sur vous. N'oubliez pas. Le 5. C'est bon. Oh,
Pour Salma, envoyez N5 au 522 ou au plus 269 374 1010 depuis l'étranger. De l'énergie, on veut de l'énergie. La musique n'a pas besoin de langage. C'est ce que Cheikh nous a expliqué. Aujourd'hui, Salam nous a présenté une chanson malienne. Je vous invite à aller chercher cette chanson parce que justement dans les concours, on n'est pas censé faire des chansons qu'on connaît seulement. On peut aussi faire découvrir notre univers. C'est ça ce qui est génial dans la musique. N'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais bien sûr que c'est vrai. Elle a transmis à travers ses mélodies, son émotion, quelque chose de beau, d'énorme. En plus, elle était habillée par une styliste que j'apprécie énormément, Ozori Zayn. S'il vous plaît, applaudissez-la. Aujourd'hui, elle a été habillée par elle et je trouve que c'était juste, comme les Anglais le diraient, stunning. On va continuer la compétition. Alors, je l'appelle mon repêché. Voilà, tu as bien deviné, tu es très forte. Alors, Walid va nous interpréter une chanson à voix aujourd'hui et ça a une histoire. Je vous invite calmement dans le silence, s'il vous plaît, appréciez tous les moments de cette chanson-là. On la connaît tous et on va la revivre aujourd'hui aux Comores en l'an 2023, quelques années plus tard. Donc, pour Walid, c'est le N espace 9 au 522 ou au plus 269 374 10 10. Vous avez bien appris la leçon, alors je ne vais pas rester trop longtemps. Appréciez. Un tonnerre d'applaudissements pour Walid. Quand les résultats sont tombés en dernier, nous avons été éliminés. C'est un peu triste. Mais c'est garder le sourire, c'est garder le courage, puisque nous avons eu la chance d'être en demi-finale. Du coup, c'est un petit peu non. C'est lundi, c'est alhamdulillah public en Galia, en Rouen, en Galia. En Galia, vidéo, il y a un gars qui permet de se qualifier à moi en demi-finale. Du coup, il y a un gars qui a été soif. Parce que c'est un homme de santé qui m'a soutenu. Je me soutiens là où je suis donné à fond si je devais en lui comme je suis donné à fond à mon solution avant. Si j'ai préparé à Ozuri, c'est un moment parce que ma coach déjà en Guavabo, Kula Kati, Kula Lira en Guavabo, sinon on va forcer vraiment, vraiment on va souffrir à répétition, il est en droit de jouer, on va s'y rater à mon spectacle. Je suis venu à la maison. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de fer auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer,
j'ai décidé de pardonner. Les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, le petit garçon en moi souvent te réclamait. Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots de rêve, je vais crier. Walid, envoyez N9 au 522 ou au plus 269 374 1010 depuis l'étranger. Wakati naona amba si qualifié wa demi-finali, j'étais contente. Skati jibiwa. Et il faut savoir aussi amba i demi-finali ngetsa homra qui est beaucoup mieux préparé. Rahana izi prestations avira parce que huno sorongo marongo zihua mbavi zihua après amuese tena ni gérer stress mana ami mruni stressé beaucoup be amuese nfanye du mieux que je peux atani shile ni gérer stress yangu ni continuer i combat depuis le début jusqu'à maintenant amuna mbango bo évolution puisque nous avons ma coach, Wari Kocheo, il y a beaucoup de gens qui nous guident, qui nous montrent comment faire et tout. Mon ambati évolue beaucoup. Nous avons un peu de zidjo, nous avons un zidjo. Nous avons beaucoup de dégager voix. Rahana Hale, c'est comme si ma voix elle était enfouie sur moi. Maintenant, nous avons dégagé, nous avons aidé, nous avons aidé. Voilà, tu les YouTube et tu sais mon rongo nyengi na nyengi. Donc c'est comme je l'avais dit depuis le début, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Et jusqu'à maintenant là, amsomo. C'est natazia, osoma bi amsomo. Uri de nam nam joao ino concours na harmo concours. De yumba ngobwezi euphoria kebe do minfanyi. Ngobwezi euphoria kebe do nyufanyi wa joao. Les efforts que j'ai fait à la finale, c'est que j'ai voté. Voté numéro 12, les gens ont eu la chance d'être à la finale. Je suis joyeux, si vous êtes là pour moi, comme je le dis toujours, on va y arriver.
Rebella, envoyez N12 au 522 ou au plus 269 374 10 10 depuis l'étranger. Franchement, quand j'ai appris que j'ai été sélectionnée parmi les demi-finalistes, j'étais super, super contente de pouvoir avancer dans cette compétition-là et de montrer ce que j'ai à donner parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer, à vous offrir. Donc pour moi, c'était une belle victoire, mais encore une fois, c'est que le début. Donc j'espère vraiment pouvoir aller le plus loin pour me préparer justement aux épreuves là de la demi-finale. J'ai vraiment fait un travail de recherche sur le texte, les différentes compositions des artistes. Et puis, je vous avoue que c'était un peu compliqué parce que j'ai eu la voix cassée pendant plusieurs jours. Mais voilà, franchement, je continue à y croire et je vais tout donner sur scène. Et voilà, voix cassée, pas cassée, on va tout donner, quoi. Sur mes progressions, je pense que, ouais, certes, il y en a eu. J'avais plusieurs appréhensions par rapport au Shikomori. Et là, il y a quelque chose qui s'est débloqué où en fait, je réfléchis même plus, juste j'y vais. Donc ça, c'est déjà un challenge de réussi. Et puis après, moi, je l'ai vraiment dit, je suis vraiment là pour me surpasser, moi-même me découvrir. Je sens artistiquement qu'il y a quelque chose qui se débloque via le concours Niora. Donc je suis super, super reconnaissante par rapport à ça. Alors émotionnellement, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment une aventure stressante. Je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Mais psychologiquement, il se passe vraiment beaucoup de choses. On est plusieurs candidats et il y a vraiment des deadlines très, très, très serrées. Donc c'est compliqué, mais ça m'apprend avant tout à gérer mon stress, à canaliser mes émotions et à rester focus tout simplement. Le public, je vous aime, Nam Voté Découmé, je le répète à chaque fois, mais voilà, c'est la devise. Vraiment, si je gagne, c'est pour nous, c'est pour vous. Donc voilà, franchement, merci pour tout l'amour et je ne vous oublie pas.
Keïla, envoyez N10 au 522 ou au plus 269 374 1010 depuis l'étranger. Après les chansons en langue étrangère, on passera aux chansons en langue comorienne après une courte page de pub. Vivez l'expérience Internet illimitée en très haut débit à la maison avec la fibre Nafasi de Comore Telecom. Avec l'offre Triple Play, Internet, téléphonie, télévision, bénéficiez d'une connexion ultra rapide. Appelez vos proches sur les fixes et le réseau mobile Ouri. Regardez vos chaînes préférées avec le bouquet Ouri TV et vos vidéos en ultra HD sur YouTube. La fibre Nafasi est à partir de 32 500 francs. Comore Telecom, leader du marché. Anticiper pour faire face aux aléas de la vie. Amal Assurance s'occupe de tout. Efficace, rapide et sûr. Aman Assurance a le service client qui rassure. Aman Assurance, mon assurance, et j'ai confiance. L'enseigne Nassib fait peau neuve avec la rénovation de ses chaînes de cafés et de restaurants. Pour vos petits-déj, déjeuners et dîners, Nassib vous offre un cadre moderne, sympathique et charmant. Les établissements Nassib sont devenus les nouveaux lieux de détente, d'échange et de plaisir culinaire. Pour ceux qui souhaitent travailler tout en sirotant un café ou
un chocolat chaud. L'accès au Wi-Fi est gratuit. La carte menu, composée également de nouveaux plats qui vous font voyager, est disponible sur place et à emporter. Nassib, partenaire de Niora. Voyagez au rythme de la saison 3 de Niora avec votre compagnie Air Comore. Est-ce que vous êtes prêts? C'est un peu mou là, je trouve. Vous êtes prêts? Bon. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, un tonnerre d'applaudissements pour le numéro 1, la numéro 1, Rachda. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va et toi? Rachda, Rachda. Ah là là, t'es toute belle. Ça va? Ça va. Pas trop stressé, c'est toi qui vas commencer en premier. Là, tu vas passer en premier. Il y a du monde qui t'attend. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? En fait, premièrement, je ne suis pas trop stressée. En fait, je me sens en forme et j'espère que ce que je vais faire aujourd'hui, ça va vous plaire. Donc, je suis aujourd'hui. Donc... Ça va, t'as hâte? Ouais, j'ai hâte. Y avait le Mringue, il y avait du monde, t'as presté et tout. C'est pas ta première scène, t'as déjà fait de la scène. Aujourd'hui, il y aura du monde qui t'attend pour voir qu'est-ce que tu nous réserves en tant que spectacle, qu'est-ce que tu vas faire. En fait, j'ai choisi cette chanson parce que, en fait, pour la chanson comorienne, je l'aime bien parce que ça me touche le cœur. D'accord, merci beaucoup et je te souhaite bonne chance. Il ne faut pas trop stresser, je sais que ça va bien se passer, d'accord? Vas-y. Merci beaucoup. Bye. Bye. Con la tamu cola.
Pour Rajda, envoyez N1 au 522 ou au plus 269 374 1010 depuis l'étranger. Alors, la prochaine candidate, elle nous vient de la diaspora. C'est une personne exceptionnelle en tant que personne. Elle nous vient de Marseille. Elle s'appelle Maïssa. Je pense que vous la connaissez tous. Oui, je vois qu'il y en a qui réagissent déjà. Donc, pour voter pour Maïssa, c'est tout simple. C'est le N espace 2 au 522. Vous pouvez voter autant de fois que vous voulez. Ça coûte 100 francs le SMS. Donc, c'est pas grand-chose si vous aimez beaucoup Maïssa. Allez-y, votez pour elle. Elle nous a interprété une chanson de Farid Youssouf et une autre de Calypso. C'était exceptionnel. Alors maintenant, selon vous, qu'est-ce qu'elle va nous interpréter? Je vais vous laisser découvrir ceci juste après un petit instant. Donc, un tonnerre d'applaudissements pour Maïssa, s'il vous plaît. Merci. Salut Maïssa, ça va? Salut, salut. Je vois que tu es en train de te pomponner là. Oui. Mais sinon, ça va? Oui, ça va. Ça va, tu as monté sur scène là tout à l'heure. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. On a travaillé fort de toute façon. Donc, je suis prête. D'accord, ok. Maintenant, tu vas prester. Et qu'est-ce que tu nous réserves? Qu'est-ce que tu réserves au public qui vont te voir? Bon. Alors, les chansons que j'ai choisies, ben, c'est pour mettre en valeur ma voix. Donc, il faudrait être attentif et bien m'écouter. Mais en tout cas, vous allez kiffer, je suis sûre. Ok, en tout cas, je te souhaite bonne chance. Merci. Et j'espère que ça va bien se passer pour Merci toi. Beaucoup. Vas-y, bisous. Pour Maïssa, envoyez N2 au 522 ou au plus 269 374 10 10 depuis l'étranger. Amio.
n'était pas assez soif. J'ai vraiment adoré. Je pense que vous êtes du même côté que moi, n'est-ce pas? Oui? Un bon choix. Naïma, c'était quelque chose, hein, vraiment. J'adore Naïma. Naïma, là où tu es, bisous. Il y en a qui se reconnaîtront. Donc, on va continuer. Toujours en sensualité. Non, pas en sensualité. Alors, il nous avait chanté « Il est où le bonheur, il est où ?» C'est qui? Ouais. J'aimerais vous agiter le drapeau Mkaniman pendant qu'il chante, hein. Je pense que ça va lui donner beaucoup de force. Alors, je vais pas être trop long. On va passer aux choses sérieuses. Alors, accueillez s'il vous plaît avec un tonnerre d'applaudissements comme d'habitude. Ça va être mon expression aujourd'hui. Le tonnerre d'applaudissements. Un peu plus fort. Un tout petit peu plus fort s'il vous plaît. Voilà, c'est comme ça qu'on accueille nos candidats. Un peu de patience, tout de suite, il est à vous. Salut Mkaliman. Salut. Ça va? Ça va et toi? Je vois que t'es bien sapé aujourd'hui. Attention. Là, t'es vraiment une Mbaba. Et sinon, ça va? Ça va. Ça va? Tu vas passer en quel... t'es premier, t'es deuxième? Je suis en troisième position. Troisième position? Oui. Pas trop stressé? Si. Comme toujours, mais ça non, va, mais je ça gère. Va, ça va, tu vas gérer comme d'habitude. Et du coup, t'es connu comme le porte-parole. Aujourd'hui, tu nous as choisi quelle chanson et comment tu vas l'interpréter? Pourquoi ce choix? Pour la chanson comorienne, j'ai choisi la chanson de Farid Saïd, Sama. Et en tout cas, je sais que tu vas gérer et que ça va bien se passer. Inch'Allah. Vas-y, ciao. Pour Mkaliman, envoyez un 3 au 522 ou au plus 269 374 10 10 depuis l'étranger.
Avant de vous présenter la prochaine candidate, je tenais, c'est important pour moi, à parler de quelque chose. Vous connaissez les Trace Awards? Non? Oui? Alors les Trace Awards, c'est un peu comme les BET Awards ou tous les trucs Awards. C'est pour avoir des trophées pour ceux qui font de la musique ou des films ou beaucoup d'autres choses. Hein? Alors on a Goulam qui est un chanteur que j'apprécie énormément. C'est un frère, une personne qui s'est développée seule et qui aujourd'hui a atteint un niveau, une envergure internationale. C'est tout simple. Il suffit d'aller sur un lien qui est sur ma page, qui est sur la sienne, qui est sur plusieurs pages. Notamment, Nyora avait fait la promotion récemment, je pense que vous l'avez vu. Il suffit de cliquer sur le lien, vous pouvez voter tous les jours, une fois par jour. Donnez-lui de la force. Je pense qu'on mérite d'avoir un trophée pour les Comores. Donc, je compte sur vous. Alors, elle est douce, elle est intelligente, elle a de la sensibilité. Elle va reprendre une chanson que je ne vais pas vous spoiler, une chanson que j'adore. Elle chante extrêmement bien. Alors, pour voter pour Salam, 1, espace, 5, au 522, autant de fois que vous voulez. 10, 20, 100, 1000. Faut voir les riali. Mais voilà, on est riche dans le cœur. On donne un tonnerre d'applaudissements pour Salam. Salut, salut, salut Salam, ça va? Tu vas bien? Ça va, t'es prête? T'es prête de monter sur scène? C'est tout à l'heure, on va t'appeler. Est-ce que tu te sens prête? Je suis toute excitée, j'ai hâte. J'ai juste hâte d'aller sur scène. Et quelles sont tes impressions par rapport à cette demi-finale? T'es déjà passé sur scène, t'es pas trop stressée, aujourd'hui il y a du monde qui t'attend. Est-ce que t'as quelque chose que tu nous réserves de spécial? Moi j'espère vous épater. Au début je stressais mais là ça va. Je pense que ça va, je vais le faire, Inch'Allah. Donc vas-y, moi je te souhaite bonne chance et j'espère que ça va bien se passer.
Pour Salma, envoyez N5 au 522 ou au plus 269 374 1010 depuis l'étranger. On va continuer la soirée avec le candidat que vous avez choisi de repêcher. Je pense que vous savez qui c'est, non? Voilà, c'est Walid. Alors, est-ce que vous pouvez me montrer à quel point vous avez envie de le voir chanter ce soir? Il a eu la chance d'être repêché par vous et personnellement, j'ai senti beaucoup d'ambition. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambition. Énormément d'ambition. Il était toujours là à l'affût. Il voulait toujours savoir comment faire pour donner le meilleur de lui-même. Check and see, on en témoigne. Parce qu'il était là, les coachés aussi, ils ont eu la chance. Donc, je ne sais pas ce qu'il... Si, je sais. Je ne sais pas ce qu'il chantera. On va dire ça comme ça. C'est une chanson que, personnellement, j'adore aussi. De toute façon, toutes les chansons qui sont chantées, je les adore. Mais celle-là, particulièrement, parce qu'elle est récente. Et je voulais tout simplement apprécier la prestation de Walid. Pour voter pour Walid, c'est le N espace 9 au 522. Ou si vous êtes à l'étranger, au plus 269, 374, 10, 10. Ouais, je vois qu'il y en a qui ont appris leur récitation ce soir. Donc, appréciez la prestation de Walid. Un tonnerre d'applaudissements pour Walid! Salut, salut Walid! Salut! Ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui. Je vois que tu es en train de boire de l'eau, tu es en train de foirer ta gorge comme bah, ça. Bah ouais, justement, là on se calme. Ouais, ok, sinon ça va, t'es pas trop stressé de monter sur scène tout à l'heure? Non, pas du tout. Non. J'ai hâte. Ah, t'as trop hâte? Ouais. Ok, sinon, quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que tu nous réserves? Bah, ce sont des messages que je vais envoyer, c'est tout. Du coup, je vais m'amuser, etc. Vous allez voir. Ok, bah, ce sera la surprise. Ouais. D'accord, bah, je te souhaite bonne chance et j'espère que ça va bien se passer pour toi. Et vas-y, ciao. Ciao. Aisha yariva nzawari anisema sori tambali ya inuma Sharangura vira na eroho inambi yake jahuturukura Ineshelezi za ukaba isha nti waisha keja timu yangura Yeba angawe mkade, yeba angaweche Yeba alipanza no muda ziviriche Weuha uwa ukade Kuti waweche Tanzani juwe oa ole onga mije Roi furai Yonga msherehi Tenje marazi yeshi otimai Roi furai Yonga msherehi Kwa dakiro honi ulucha mwenye Zanguzi badiliti hundu wakamili hundu leo ni mwanzao Kusha puza swila ni maba ya laini ino itana ni lalao Sharangura vira nao mwili unambia ukangoe shele yao Okazi laranshi zibaki uzungu ni leo ngazi fuku wao Yewe ngawe mkade, yewe ngaweche Ushashi wa umuda ubiriche Tiha uwa ukade Mti wa miche Baisha ubaki rohoni Ngaweja mwenche Roi furai Eonga msherehi Seje marazi yeshi watima Kirohoni ulo chamwenche, ulo chamwenche.
Walid, envoyez N9 au 522 ou au plus 269 374 1010 depuis l'étranger. La vie, elle est simple. Des fois, il suffit juste de sourire et puis ça marche. On est d'accord? Vous avez apprécié? Oui, moi aussi. Alors, vous savez qui suis? C'est qui? Ah, mais est-ce que vous avez le programme? Parce que là... Ndekoumé! Alors, elle nous a interprété une chanson de V-Boys Men. Elle nous a aussi interprété une chanson de Salim Ali Amir. Elle était à l'aise dans ses interprétations et j'ai vu sur les réseaux qu'elle a mis tout le monde d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'elle réussira à vous mettre d'accord? Vraiment? Eh ben, il faut crier. Oui! D'accord. Un tonnerre d'applaudissements pour Kayla, s'il vous plaît. Salut Kayla, ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Je vois que t'es bien là, t'es trop belle. Merci. Je jure, la tenue, elle est très très belle. Merci. Et sinon, ça va? T'as pas trop stressé là de monter sur scène? Franchement, j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir m'amuser et d'interpréter ces deux chansons. Et je vais tout donner. Hein. Ouais, t'inquiète, Inch'Allah, tu vois, ça va bien se passer. Mais sinon, c'est pas la première fois que tu montes sur scène, que t'as vu, tu s'est passé dans le Mringue, il y avait du monde aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous réserves? Qu'est-ce que je vous réserve? Non, franchement, juste de l'éclat, de la folie et beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi. Je vais vous gâter ce soir. D'accord, je te souhaite bonne chance et à tout à l'heure. Merci. Vas-y, bye.
Pour Kayla, envoyez N10 au 522 ou au plus 269 374 1010 depuis l'étranger. Ah, vous en êtes? Oui, je suis sûr que oui. La danse, le chant ensemble, c'est quelque chose d'énorme. Déjà, quand on parle de chanter, c'est utiliser son souffle. Danser, c'est utiliser son corps et gérer son souffle avec. Donc moi, je trouve ça impressionnant. C'est quelque chose que je... Moi-même, en tant que chanteur, je n'ai pas encore vraiment, réellement testé, mais de mes coulisses, j'ai vraiment apprécié. J'ai hâte de voir mon montage, ce que ça m'a donné. Alors, celle qui reste pour l'interprétation des chansons comoriennes, elle s'appelle Remela. Remela. Elle a beaucoup de sensibilité. Je vous laisse apprécier la chanson. Ça me fait rire d'avance, juste vous allez comprendre plus tard parce que voilà, c'est ça. Donc, pour voter pour Remela, N, espace, plus. Au 522 ou plus 269, 374, 10. Et un tonnerre d'applaudissements pour Kayla. Salut Revilla, ça va? Salut. Je vois que t'es maquillée là, t'es trop belle. Ça va? Maintenant ça tu va. Stresses pas. T'as pas trop peur? Je stresse, c'est normal, mais après je gère. Ça va aller, ça va aller. Ok, et quelles sont tes impressions maintenant que tu vas monter sur scène? Qu'est-ce que tu nous réserves? Bah, j'espère que je vais faire mieux, bon, plus que ce que j'ai fait dans le battle. Voilà, je l'espère vraiment. D'accord, en tout cas, je te souhaite bonne chance et vas-y, respire et que ça va bien se passer. Vas-y, d'accord. Bisous. Bisous, merci. Zinyo tozi ku, rejiho tabirni.
Pour Rebella, envoyez N12 au 522 ou au plus 269 374 10 10 depuis l'étranger. Nous, cette émission touche à sa fin. Nous vous remercions pour votre chaleur, pour vos émotions et je vous donne rendez-vous pour la finale très très prochainement. On vous communiquera la date très 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 prochainement. Merci d'avoir joué le jeu et merci encore. Je ne pourrais pas en rajouter plus. Je pense que tout a déjà été dit. Merci beaucoup. Très très bonne soirée à vous et appréciez l'émission. You are.